Salut, c'est Cyril de MyGuitar et bienvenue à vous dans ce nouveau tuto où on va parler d'une question essentielle pour vous, débutantes et débutants, qui est pourquoi et comment faut-il bloquer la corde de mi grave. Voilà. Donc la corde de mi grave, pour rappel, c'est votre corde la plus grave ici, hein, voilà. La plus grosse de toutes les cordes, la plus épaisse. Et en fait, voilà, il y a plein d'accords sur lesquels on vous dit qu'il faut bloquer la corde de mi grave. Donc on va répondre à deux questions absolument essentielles dans ce tuto. Pourquoi il faut la bloquer et comment on va la bloquer? Si vous voulez bien, on va commencer tout de suite par la première question. Pourquoi il faut bloquer la corde de mi grave? Pour une bonne et simple raison, c'est qu'en fait, voilà, quand vous jouez de la guitare, vous n'allez pas pouvoir sélectionner ici avec votre main rythmique les cordes que vous allez jouer et les cordes que vous n'allez pas jouer. Okay? C'est-à-dire que voilà, si vous regardez l'intro, ce que j'ai joué tout à l'heure, voilà, c'était un peu n'importe quoi, c'est ce qui me venait un peu comme ça au hasard. Hein. En fait, voilà, je joue différents accords, mais par contre, quels que soient les accords que je joue, que ce soit Do, Sol, Ré, etc., etc. Voilà. En fait, mon mouvement de main droite ici, puisque je suis droitier, est quand même grosso modo toujours le même. Voilà. Et il se dit pas, tiens, voilà, sur le Ré, en fait, il faut pas que je gratte les cordes graves parce qu'il y a que les quatre cordes aiguës. Ok. Voilà. En fait, faire ça, ça serait de la science-fiction. Ça serait penser qu'on est des espèces d'humanoïdes qui sont capables, en gros, en temps réel, de dire, ah, attends, là, voilà, à une vitesse quand même assez rapide, sans être forcément virtuose, hein, mais voilà, quand même déjà à une certaine vitesse, notre main va être capable, voilà, d'éviter les deux premières cordes et d'aller jouer les quatre dernières. En fait, ça, c'est de la science-fiction, ok, ça n'arrive que si vous êtes un être humain augmenté. Moi, je suis encore un être humain simple, donc je ne suis pas capable de faire ça. Donc, ce que je fais, c'est que du coup, si je ne peux pas gérer les cordes avec cette main-là, il va falloir que je les gère avec cette main-là. Et c'est exactement pour ça que sur, en fait, tout un tas d'accords, je ne vais pas laisser sonner la corde de mi grave, parce qu'en fait, l'idée, si vous voulez, quand vous jouez un accord, c'est que grosso modo, vos oreilles ou celles des personnes qui vous écoutent, elles vont capter deux informations principales. À savoir que si par exemple je joue un Do majeur ici, ok, en fait, voilà, on entend littéralement cinq notes différentes. Hein. Ok, mais principalement, en fait, nos oreilles vont se focaliser sur deux informations. La première, qui est la plus évidente, c'est la note la plus aiguë. C'est-à-dire que la note qui transperce ça, c'est ça. Ok. Et l'autre note qui va être vraiment le message, l'autre message important, c'est la basse. Okay. C'est la note la plus grave. Donc en l'occurrence, si je suis ici sur un Do majeur, la note la plus grave, ça va être Do. Voilà. C'est celle-là dont on va parler dans un instant. Puis la note la plus aiguë, en l'occurrence, va être un Mi, la tierce majeure du Do. Ok. Peu importe. Mais donc, ce qui va être très important, c'est que voilà, une de ces deux informations soit la bonne. Okay, c'est-à-dire que la note la plus grave d'un accord, sauf s'il y a ce qu'on appelle un renversement de basse, voilà, ces fameux accords où il y a une lettre, un slash et puis une autre lettre, par exemple D slash fa dièse, ré basse fa dièse en bon français, hein, voilà, où effectivement là on va changer la basse. Sinon, en fait, quand on joue un Do majeur par exemple, c'est en fait sous-entendu Do basse Do. Okay, et donc une information extrêmement importante pour nos oreilles ou les oreilles des gens qui nous écoutent, c'est d'entendre la bonne fondamentale, okay, la bonne note la plus grave. Et que donc, en fait, si par exemple quand je fais Do, je ne bloque pas la grosse corde, en fait, cette information qui est quand même extrêmement importante va être une mauvaise information. Okay. Ou en tout cas, ça ne va pas forcément être une fausse note, mais ça ne va pas être l'information que je veux donner, encore une fois, aux oreilles qui m'entendent, soit les miennes, soit celles d'autres personnes, ou les deux en même temps. Okay. Donc ça va être vraiment très important, du coup, de jouer les bonnes basses. Et en fait, si on regarde, voilà, si on prend nos accords non altérés, okay, c'est-à-dire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, okay, et si on regarde un peu où sont les basses, voilà. En fait, si on part de Mi, si vous voulez plutôt, au lieu de partir de Do et de faire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, on va faire plutôt Mi, Fa, Sol, La, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi. Okay, voilà. Pourquoi? Parce que Mi est notre note la plus grave. Voilà. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, quand on va jouer un Mi majeur, Mi mineur, Mi 7, tout ce que vous voulez, effectivement, la note la plus grave va être cette corde à vide de Mi. Okay, voilà. Ce que vous pouvez vérifier si vous connaissez Mi majeur, okay, ou Mi mineur. Okay. Ça serait vrai pour tout un tas d'autres formes de Mi, mais voilà. Voilà. On va se limiter à ces deux-là comme exemple, si vous voulez bien. Et puis après, on aurait Fa. Okay, donc Fa, effectivement, va être aussi sur la corde de Mi. Ok,
Okay, c'est pour ça que c'est notre barré. En gros, ce qu'on fait quand on fait un fa, hein, c'est tout simplement qu'on on déplace le mi, puis on vient barrer ici avec l'index. Donc, ça donne effectivement ça. Et effectivement, là, on a notre corde de mi qui sonne aussi, mais elle sonne plus à la case 0, c'est-à-dire la corde à vide, elle sonne à la case 1 pour jouer un fa. Okay, puisqu'effectivement, si vous avez déjà vu un piano, par exemple, entre mi et fa, c'est deux cases blanches consécutives. Hein. Il n'y a pas de case noire entre mi et fa, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de demi-ton intermédiaire. Effectivement, le demi-ton qui vient juste après, c'est bien fa. Et effectivement, deux cases plus loin, puisqu'il y a un demi-ton intermédiaire entre fa et sol qui va être fa dièse ou sol bémol, deux cases plus loin, on aura bien sol. Okay, ce qui fait que quand vous jouez un sol majeur, vous avez bien voilà, cette case 3 sur la corde de mi grave. Okay. Donc en gros, mi, fa et sol vont avoir leur basse sur la corde de mi grave. Okay, mais toutes les autres notes, à savoir la, si, do et ré, voilà, vont avoir leur basse ailleurs que sur la corde de mi grave. Okay, donc du coup, si on veut donner la bonne information au niveau de la note la plus grave, okay, encore une fois, je vous ai dit, il y a deux informations principales, la note la plus aiguë et la note la plus grave. Si on veut donner la bonne information en ce qui concerne la note la plus grave, sur tous ces autres accords, à savoir La, Si, Do et Ré, il va falloir bloquer la grosse corde de Mi. Okay? Pourquoi ? Parce que si on ne la bloque pas, si on la laisse sonner, en fait, du coup, ben, la note la plus grave qu'on va donner à entendre ne sera pas la bonne. Donc, il y a certains accords où ça ne va pas être si grave que ça parce que la note va faire partie de l'accord. Okay. À savoir, par exemple, effectivement, dans le La, bah, la note Mi fait partie de l'accord puisque c'est la quinte. Okay. Donc, ça donne une espèce de résonance basse dont on n'a pas besoin, mais ce n'est pas catastrophique. Okay. Si, par contre, je venais jouer un Si majeur, okay, qui est un accord un peu compliqué quand on est débutant, mais si, par exemple, voilà, si vous connaissez Si7, par exemple, hein, voilà. Bah, si là, je laisse sonner la corde de Mi, là, ça commence à devenir vraiment désagréable. Voilà. Voilà. Sans parler de cas où ça serait vraiment plus dissonant, si par exemple je jouais un Si bémol, hein, et là si je laissais sonner la grosse corde, ça serait catastrophique. Okay. Voilà. Donc ce qui va être extrêmement important, c'est qu'encore une fois, quand je vais sortir des contextes d'accord de Mi quelque chose, de Fa quelque chose, ouais, ça serait la même chose pour Fa dièse d'ailleurs, hein, ou de Sol quelque chose, voilà. Sur tous ces autres accords, encore une fois, tout ce qui va être La quelque chose, Si quelque chose, Do quelque chose et Ré quelque chose, il va falloir que je bloque la grosse corde. Voilà. Donc, parce que sinon, je n'envoie pas la bonne information musicale. Voilà. Donc ça répond à la question pourquoi. Maintenant, on va s'intéresser à l'autre question, si vous voulez bien, qui est la question comment. Et à cette question comment, la réponse est très majoritairement avec le pouce. Voilà. Alors, là, je vois déjà la tête des gens qui jouent sur guitare classique qui est en train de se décomposer. Pourquoi ? Parce que sur les guitares classiques, les manches sont extrêmement larges. Et donc, c'est extrêmement difficile, à moins d'avoir un très grand pouce comme Jimi Hendrix, de venir bloquer la grosse corde de mi grave. Voilà. Donc là, je ne peux que vous souhaiter bon courage de faire des exercices de stretch du pouce. Ou peut-être plus, de manière plus réaliste, d'aller peut-être revendre votre guitare classique pour acheter une petite guitare folk comme ça, voilà, avec un manche beaucoup plus fin, qui vous permettra sans difficulté de bloquer la grosse corde. Encore une fois, hein, c'est ce que j'avais essayé de dire dans un tuto, je me suis fait complètement allumer. le titre était un peu provoque, c'était marqué « N'achetez pas de guitare classique ». Mais c'est parce qu'encore une fois, voilà, énormément de gens qui en fait se retrouvent à débuter avec une guitare classique, en fait ne veulent pas jouer une guitare classique, ils voulaient jouer une guitare folk, mais voilà, ils se sont fait mal conseiller généralement par les gens dans un magasin et du coup ils ont pas la bonne guitare. J'avais essayé de dire ça, je me suis un peu allumé, c'est pas grave, je n'en suis pas mort. Donc voilà, idéalement il faut quand même avoir une guitare avec un manche relativement fin pour jouer encore une fois voilà, tout cet univers folk, parce qu'effectivement voilà, il va falloir bloquer massivement cette corde de mi grave avec votre pouce, c'est à dire que quand vous allez jouer un La majeur ou un La mineur, ok, ben là voilà, on a un exemple typique où en fait on ne veut pas entendre ça avec cette grosse corde de mi qui nous rajoute une fréquence qui n'est pas bonne. On ne peut pas avoir ça parce que, encore une fois, ça occupe une énorme partie de l'espace sonore pour dire une mauvaise information. Voilà. Donc, il vaut bien mieux venir mettre son pouce ici et venir bloquer cette grosse corde. Donc, en fait, comment vous allez faire ? Vous allez simplement venir poser votre pouce. Okay, voilà. Vous n'appuyez pas. Hein, voilà.
vous, simplement vous posez votre pouce, voilà, vous posez exactement l'os qui sépare vos phalanges sur le haut de votre manche, et du coup, voilà, en fait, la peau en dessous va légèrement pendre et va tout simplement toucher la corde, voilà, de manière parfaitement relaxe, et va couper le son. Okay, il ne s'agit encore une fois pas du tout d'appuyer dessus pour jouer une autre note. Okay, ça, on le fera de temps en temps, voilà, soit quand on va venir jouer nos barrés à la Hendrix, soit quand effectivement on va faire des accords type ré, basse, fa dièse. Okay, voilà. Où là, effectivement, on viendra appuyer une note avec le pouce, mais c'est quand même assez rare. Notre pouce, il va vraiment servir à ça, à venir, effectivement, tout simplement, en tout relâchement, à venir couper cette corde demi-grave. Et effectivement, ce qui va nous permettre de jouer un La mineur, ou un La majeur, ou un La 7, ou un La mineur 7, ou un La, ce que vous voulez, voilà, bien comme il faut, c'est effectivement ce pouce qui va venir... couper le son de la corde demi-grave. Ça serait la même chose sur les barrés de la forme de La, ok, bon, si vous êtes débutant ou débutante, c'est peut-être un petit peu avancé, mais peut-être vous pouvez retenir ça dans un coin de votre tête. Comme vous bloquez le son de la corde demi-grave quand vous faites un La ou mineur, majeur, etc., il va falloir faire la même chose sur les barrés de la forme de La, hein, donc du coup, évidemment, vous n'allez pas pouvoir le faire avec le pouce, parce que si vous le faites avec le pouce, vous n'allez pas pouvoir tendre votre index. Votre barré va sonner tout pourri. Il va falloir faire ça avec le haut de l'index. Okay, si par exemple je joue Si mineur, okay, qui en gros est un La mineur deux cases plus loin avec un index derrière, hein. En fait mon index il va pas barrer toute la case 2. Il va pas faire ça. Parce que si je fais ça, je fais un Si mineur basse fa dièse. Okay. Et c'est pas exactement ce que je veux entendre. Ce que je veux entendre, c'est ça. Et encore une fois, pour que la note la plus grave, l'information, une des informations principales, soit la bonne, c'est-à-dire que la basse soit la bonne fondamentale, la fondamentale de l'accord. Okay, donc ça, c'est vraiment très important. Donc du coup, voilà, ça, c'est un autre cas de figure où je vais venir bloquer la corde avec le haut de mon index. Okay, donc mon index, il s'arrête juste en dessous de la corde. Voilà, il joue la case 2 de la corde de La. Voilà. Et avec le haut de l'index, je touche la corde de mi grave et du coup je coupe sa résonance, je coupe le son. Okay. Voilà. Si par exemple je venais faire un do majeur, en fait je vais de nouveau couper le son de la corde de mi grave avec le pouce, mais à vrai dire, quand je fais un do majeur, en fait j'ai une double sécurité parce que si j'enlève le pouce, en fait je la coupe aussi avec le haut de mon annulaire. Okay. Voilà. Parce que deux sécurités valent toujours mieux qu'une. Donc voilà, en fait, quand bien même je retire mon pouce, en fait, c'est déjà bloqué. Et là, on arrive sur le dernier cas de figure qui est ce fameux accord qui, sur lequel il y a cette petite controverse. J'avais là aussi fait un tuto il y a quelques temps. Je m'étais fait un peu aussi allumer, alors que pourtant, c'était quand même là. Autant, voilà. Il peut y avoir débat sur la guitare classique, autant là sur le ré, il y a quand même. Franchement, pas débat. C'est-à-dire que voilà, si vous regardez n'importe quelle méthode de guitare ou n'importe quelle tablature, et c'est tout aussi vrai pour les tablatures sur ma guitare, hein, quand vous jouez Ré majeur, on vous dit de jouer ça. Okay, c'est-à-dire vous jouez la corde de Ré à vide, voilà. Vous jouez la case 2 de la corde de Sol, la case 3 de la corde de Si, et la case 2 de la corde de Mi. Voilà. Et en fait, vous coupez la corde de Mi grave avec le pouce, mais en fait, là, il faut être parfaitement honnête, il se passe un tout petit, il y a un tout petit point de flou, on pourrait dire, sur la corde de La. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, la corde de La, vous n'êtes pas censé la jouer. Okay, mais en réalité, vous allez la jouer quand même. Donc, j'avais dit ça dans un tuto il y a quelques années, tout le monde avait dit, non, la corde de La, on n'est vraiment pas censé la jouer. Ok, c'est tout à fait vrai. Mais dans la réalité, en fait, quand vous jouez du folk, vous allez jouer comme ça. Okay, si là, j'arrête et que je regarde ma corde de La, en toute honnêteté, elle vibre. Okay. Pourquoi ? Parce que si je voulais qu'elle vibre pas, il faudrait que je tende mon geste, que je regarde, que je fasse une espèce de truc. Voilà. Et quand bien même je fais ça, je la touche quand même. Hein. Voilà. Donc c'est soit ça, soit je joue tout petit. Voilà. Ou là, effectivement, je suis capable de contrôler mon geste. Mais en fait, sauf que ça sonne vraiment mal. Okay. Ce qui fait que, c'est quand vous regardez n'importe quel héros de guitare folk, que ce soit, je sais pas, Bob Dylan, Tom Petty, Tracy Chapman, ou peu importe qui, ou, je sais pas, Laurent Voulzy, ou n'importe qui avec une guitare acoustique,
En gros, vous regardez le geste, hein, le geste, il va être très ample et très libre, et c'est ça qui fait que ça sonne folle, que ça respire, voilà, qu'on a ce sentiment de liberté, de naturel. Okay, okay. Et donc, en fait, voilà, là, il y a une espèce de vérité non dite. Okay. Vous pouvez contester, vous pouvez m'envoyer des commentaires haineux, mais s'il vous plaît, ne le faites pas, parce que c'est quand même pas très bon pour la santé, ni pour vous, ni pour moi. Il y a une réalité qui est non dite, c'est qu'en fait, voilà, vous allez jouer cette corde-là. Voilà. Et vous n'allez pas essayer de la bloquer comme ça, en faisant une espèce de geste qui vous tord l'épaule, etc. Parce qu'en plus, voilà, effectivement, vous bloqueriez la corde-là, mais du coup, vous joueriez une espèce de fa dièse ici, voilà, qui sonnerait mal en plus. Voilà. Et donc, ça fait mal à votre bras, ça fait mal aux oreilles, donc ne le faites pas. C'est pas grave, vous allez jouer la corde-là. Donc, encore une fois, pour résumer, deux choses. On bloque la corde de mi parce que, voilà, en dehors des accords qui ont leur base sur la corde de mi, à savoir les accords de mi, fa et sol, il faut bloquer la corde de mi sur tout le reste. On la bloque très généralement avec le pouce. Il y a quand même d'autres cas de figure où, effectivement, voilà, on peut le bloquer avec le haut de l'annulaire sur le do, on peut le bloquer avec le haut de l'index sur les barrés de la forme de la. On pourrait aussi, j'ai pas mentionné ce cas-là, mais par exemple, si on fait 6-7, pour essayer le même cas de figure. Quand je fais 6-7, si par exemple je joue fou sentimental d'alerte fond, je joue un 6-7, là aussi j'ai ma double sécurité, c'est-à-dire qu'en fait je coupe cette corde avec le pouce, mais en fait si j'enlève le pouce, je la coupe aussi avec le haut non majeur. Okay, voilà, donc retenez bien ça dans un coin de votre tête. En gros, tous les accords en dehors de mi, fa et sol, où là vous jouez la basse sur la corde de mi grave, tous les autres accords, tous les la quelque chose, tous les si quelque chose, tous les do quelque chose et tous les ré quelque chose, il faut couper la corde de mi grave. Voilà. Donc soit vous avez un doigt dans la forme de l'accord qui s'y prête bien, soit sinon vous le faites avec le pouce. Ok ? Voilà. J'espère que ce tuto vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à notre chaîne YouTube. On se retrouve très bientôt sur MyGuitar. Ciao, ciao. 1, 2, 3.